ils sont en primaire, aujourd'hui la SPTT leur propose une activité voile sur la plage de la Pointe Rouge. Pour la plupart de ces enfants, c'est la première fois qu'ils pratiquent cette activité. Oui, pour la plupart, c'est la première fois. D'autres ont déjà eu des expériences avec des bateaux à moteur. Mais c'est vrai qu'au niveau de la voile, c'est la première fois. Et puis du coup, ils sont confrontés, même si certains ont eu déjà des expériences avec les bateaux à moteur. Le fait de se retrouver sur la voile, c'est complètement différent. La voile est vraiment accessible à tout le monde. On peut la pratiquer à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à des grands enfants qui ont plus de 70 ans avec des compétences variés, et lorsque les gens sont motivés, ils viennent naviguer par tous les temps. Et c'est la base de la voile, c'est de venir avec une motivation. Et cette motivation, eh bien, c'est regarder le large, c'est regarder devant soi, c'est regarder le bleu, le blanc de Marseille. Les conditions météo sont bonnes, le vent est un plus. Les enfants écoutent attentivement les consignes des animateurs. Et je change de côté. Et quand je vais vouloir faire demi-tour ? Ben en fait, on les accueille le matin, on les équipe, on leur fait un petit briefing pour voir comment ça se passe sur le bateau, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice la journée. Là, en l'occurrence, ça a été comment on monte les bateaux avec les voiles aujourd'hui. Voici l'heure du retour. Ils auront passé près d'une heure en mer. Comme on a du vent qui est monté, ben après, on a régulé notre séance. Hein, on est rentré au bord, on a pris moins de bateaux et puis on a fait des petits allers-retours avec des rotations. La journée se termine, les enfants sont ravis, les parents qui ont accompagné le groupe le sont aussi. Ça, c'est des gilets, on les rince et après on les met sur la barrière pour les faire sécher. Ensuite, on les recouvre. On s'est éclaté à la voile, c'est super, le temps est au rendez-vous. Oui, c'est une manière de découvrir une autre facette de la nature. La voile et la mer, c'est un monde qui n'est pas forcément connu pour tous les enfants. Donc le fait d'aller découvrir, s'affronter avec un élément un peu différent, eh bien les enfants ressortent évidemment ravis. La SPTT accueille plus de 1500 personnes par an. L'activité voile rassemble à elle seule près d'un quart des adhérents.